Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel d'Excel pour tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment représenter un KPI de suivi budgétaire. Donc, nous allons effacer ça. Voilà. Donc, notre intérêt aujourd'hui, c'est de pouvoir représenter un indicateur de performance clé lié au suivi du budget. Donc, c'est quelque chose comme ceci. Voilà un peu l'objectif que nous allons atteindre, donc c'est-à-dire représenter de manière brève les réalisations, le budget, et d'un côté ici, la variation qu'il y a eu entre ces deux agrégats au cours de cette période, et également une icône qui nous représente si oui ou non nous sommes en croissance ou bien en décroissance. Donc, chemin faisant, nous allons voir certaines fonctions et également certaines techniques et astuces magnifiques qui vous permettra de mettre en exergue un certain nombre de choses dans vos travaux. Donc, sans plus tarder, nous avons prévu déjà une feuille dans laquelle nous allons représenter un certain nombre de choses. Partout, vous allez voir les cellules grises, là, c'est là où on va mettre les données nous permettant de réaliser notre objectif. Donc là, là, là et là. Et ici, ça serait la feuille où nous allons faire notre présentation, c'est-à-dire mettre notre en tête avec le titre de notre job et enfin l'indicateur avec tous les éléments comme vous avez vu dans cette feuille. OK, première chose, c'est que nous allons donner un titre un peu à notre travail. De ce côté, nous avons donné suivi budgétaire fin 2. octobre 2022. Donc, nous allons le réécrire ici et puis nous allons vous montrer les chemins sur lesquels vous pouvez passer pour réaliser ça. Il n'y a pas qu'un seul chemin. C'est pour ça que nous allons vous montrer comme ça deux. C'est à vous de choisir après ce qui sera un peu plus facile pour vous pour y arriver. Ici, nous pouvons saisir rapidement suivi budgétaire fin. OK, deux points. Voilà. Ici, deuxièmement, dans cette cellule-ci, nous allons rechercher une fonction qui nous permet de rapatrier un peu octobre 2022. Donc, cette fonction, ça serait la fonction texte. Voilà, texte. Dès que je tape X, voilà, je me positionne dessus avec tabulation. Je sélectionne ma dite fonction. Ma fonction attend deux choses. Donc, une valeur. Et également de l'autre côté, un format texte. Donc, la valeur pour nous ici, c'est la fonction aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je me positionne dessus, ça n'a pas d'argument, donc je vais fermer et avec point-virgule, je vais aller chercher le format. Donc, n'oubliez pas de mettre guillemets. Voilà. Donc, il y a plusieurs sortes de formats. Vous pouvez choisir en jour, mois, année. Vous pouvez choisir en mois, année, année, mois, jour seulement. Donc, il y a plusieurs manières de l'écrire. Donc, pour choisir octobre, je vais taper M quatre fois. Une, deux, trois, quatre. Voilà, ça va écrire complètement le mois d'octobre, puisque nous sommes actuellement en octobre. En faisant principe qu'aujourd'hui également, on va nous positionner sur le mois en question. Donc, nous tapons tabulation et également, pour représenter l'année, nous allons taper année quatre fois et nous allons fermer notre guillemet et fermer, n'oubliez pas de fermer la parenthèse et je valide. Vous voyez, là, j'ai représenté octobre 2022. Si j'avais tapé rien que 3M, j'enlève. Vous allez voir, j'ai plutôt OC 2022. Voilà, c'est la même chose avec l'année. Je peux choisir d'enlever un A. Vous voyez que j'ai un certain nombre d'éléments. Mais je
vais suivre ici mon objectif, c'est d'avoir un M, voilà, parfois. Ok, je valide, j'ai octobre. Et également, mon objectif ici derrière, c'est d'avoir octobre en majuscule. Je vais ajouter juste devant le mot texte, bien la fonction texte, la fonction majuscule, tabulation, et je vais venir fermer ici pour avoir, voilà, j'ai suivi budgétaire ici, suivi budgétaire fin, et j'ai octobre 2022. D'accord, donc de l'autre côté également, je vais permettre à ce que nous ayons, je vais arrêter ceci, voilà. Par une fonction, je vais essayer de rapatrier un peu les deux éléments que nous avons saisis à notre gauche ici, ici à l'intérieur, égal. Donc, vous pouvez choisir de passer par concaténer ou bien de choisir esperluette, voilà, qui veut dire également concaténer. Donc, égal, je choisis la cellule A1, donc je tape mon esperluette et je choisis également la cellule A3 que je valide. Donc, ici, dans cette cellule, si j'ajoute bien là, nous avons bien suivi budgétaire fin 2. Octobre 2022. Voilà. Donc, deuxième manière de le faire, c'est de saisir intégralement tout ce qu'on a fait de l'autre côté ici dans une même fonction ici. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, je tape égal, je tape, j'ouvre mes guillemets comme je suis en train de saisir un texte, suivi budgétaire, OK, fin, voilà, fin, deux points, voilà, et je continue là avec espériette, et pour rapatrier un peu les deux éléments, espériette, et je choisis la fonction texte qui va nous permettre de. Ok, donc j'ouvre ma parenthèse. Ok, je vais mettre. Ok, j'ai oublié de fermer le guillemet ici. Voilà. Ok, je pense que c'est ça. Je tape ma fonction texte. Voilà, ça reconnaît maintenant. Ok, je tape aujourd'hui, comme tout à l'heure. Aujourd'hui, je le sélectionne. Comme ça n'a pas d'argument, je ferme. Et avec point virgule, je m'en vais chercher le format comme tout à l'heure. Pardon, de point de entre guillemets. Ok, je m'en vais chercher M 4 fois. Voilà, 1, 2, 3, 4, j'y arrive. J'y arrive, je ferme mes guillemets, je ferme la parenthèse de ce côté et je crois que c'est tout bon. OK. Donc, tout ce qu'on a oublié, c'est de mettre également majuscule à la suite précédée. Voilà. Je ferme également ici. Voilà. Donc, je vous ai montré ici comment représenter un peu ces deux éléments. Soit vous tapez directement le texte à l'intérieur et vous choisissez avec espèce-luette pour relier un peu les deux mots, ou bien vous les saisissez quelque part et puis vous essayez de joindre les deux par voilà, égal espèce-luette. Ceci étant, je peux juste apprêter ma forme de ce côté parce que ce sera notre feuille de présentation. Avec une forme, je vais choisir celle-ci. Voilà. Je la positionne ici. Avec format de forme, je peux choisir exactement celle qui sied un peu. Je peux choisir celle-ci. Voilà. Je sélectionne la forme comme je l'ai ici. Et dans l'espace lié aux formules là, je m'en vais taper égal à l'intérieur et je m'en vais chercher ce qu'on vient de saisir,
soit l'un, soit l'autre. C'est vraiment au choix. Donc, je choisis celui-ci, voilà, je l'insère là. Et puis, je peux le mettre en gras. Je mets à l'intérieur, voilà, je grossis un peu, voilà. Suivi budgétaire, ok. Donc, voilà un peu le titre un peu de ma feuille de présentation de mon reporting. Suivi budgétaire octobre 2022. Ok. Deuxièmement, nous allons choisir des valeurs jusqu'au mois d'octobre en termes de budget et en termes de réalisation. Donc, mois par mois, et à la fin, ici, nous aurons un total sur lequel ça va réglementer tout ce qu'on a ici. Donc, avec une fonction aléatoire, avec borne, nous allons choisir des valeurs aléatoires. Voilà. Nous allons choisir d'aller de 5 000, voilà, borne inférieure jusqu'à 8 500. Voire 9 000, d'accord. Jusqu'à 9 000, je ferme parenthèse, je valide et j'agrémente jusqu'au mois d'octobre. Voilà, ça me donne des valeurs aléatoires. Si je fais la même chose ici, où je choisis aléatoire, la fonction aléatoire, voilà, avec borne. Ok, je vais choisir les bornes de 4 500 jusqu'à 8 000 par là, d'accord, pour les réalisations et je valide. D'accord, voilà, c'est quelque chose comme ça. À chaque fois, les valeurs vont varier, hein, donc c'est vraiment aléatoire. À chaque fois qu'il y aura un mouvement, vous allez sentir les chiffres là bouger. Donc, je vais aller sommer chaque ligne là pour, voilà, et puis ici, je valide un peu. Ok, j'essaye de mettre ça avec les séparateurs de milliers. Ok, c'est tout bon. Donc ici, nous allons juste aller rechercher le montant réalisé global. Ok, réalisé. Super. Et également le montant réalisé budgétisé qu'on a ici. Super, on a ici. Donc vous voyez S, X, A, F à l'intérieur. C'est juste parce qu'on a déjà choisi. Il y a un format qui existait déjà ici. Vous pouvez le choisir en allant, en cliquant juste sur la cellule, format, format de cellule, en allant dans comptabilité, dans le groupe. Voilà. Vous pouvez choisir vraiment le format monétaire qui s'y est, si vous êtes dans une zone euro, si vous êtes en train de travailler avec le dollar, et ainsi de suite. Vous pouvez choisir exactement celui qui s'y est à votre travail ici. Mais nous allons valider celui-ci. Donc, nous allons déterminer la variation. Elle est toute simple. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nous allons faire réalisation, moins budget. Voilà. Donc, le tout, je vais mettre des parenthèses là. OK. Attention, je ferme la parenthèse de ce côté-ci. Voilà, je divise par le budget. OK. Je reviens pointer ici. Ça me donne quelque chose comme ça. OK. Donc, nous allons revenir un peu sur. Vous voyez que nous avons une augmentation de près de 5%. Et c'est vrai, pourquoi? Parce que nous avons laissé le formatage conditionnel ici. Donc, ça veut dire quoi? Je voudrais représenter normalement si la variation est positive. Ça donne en vert. Si elle est négative, ça donne en rouge. Donc, je vais venir ici. Je vais d'abord effacer les mises en forme qu'il y a dessus pour vous montrer comment ça se passe. OK. Donc, je vais là. Je vais à accueil. Je vais dans le groupe style. Mise en forme conditionnelle. Nous y sommes. OK. Si nous y sommes, nous allons poser nos conditions dès ici. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire. Vous allez choisir les règles en mise en surveillance des cellules supérieures à. Nous allons dire si c'est supérieur à 0. D'accord. Qu'il me fasse un format personnalisé de telle sorte que la police soit en vert. Nous allons choisir un vert bien frontal. Voilà. Donc, c'est tout ce que nous allons lui demander ici.
et le mettre également en gras. Voilà. OK, super. On a ici, on valide. Ah, OK. Et deuxième chose, nous allons demander si c'est plutôt inférieur à 0%, bien entendu, qu'ils nous mettent le format de la police, rouge, un rouge bien vif et en gras. Voyez un peu, et je valide, je valide. OK. À chaque fois que nous aurons la variation négative, vous allez voir que ça va bouger ici. OK. Nous avons terminé ici. Nous allons voir également ici. Nous allons mettre une hypothèse de telle sorte que ça puisse reconnaître les variations. Ça serait pour construire notre icône que vous avez vue ici. Voilà. Où ça pointe vers le haut, où ça pointe vers le bas, avec les couleurs qui sont également dessus. Nous allons aller effacer toute mise en forme qu'il y a dessus pour pouvoir faire notre plan. Donc, première chose, c'est que nous allons aller voir exactement si c'est satisfaisant, quel est le type d'icône qu'il faudrait qu'il mette. Si c'est insatisfaisant, quel est le type d'icône qu'il faudrait qu'il mette ici. Donc, pour cela, nous allons aller à l'onglet Accueil, ici. Insertion, autant pour moi. Symbole. Voilà, nous sélectionnons Symbole. Ici, nous allons aller choisir. Normalement, chez vous, ça va pointer à Normal. Et quitte à vous maintenant d'aller choisir Winding 3. Dès que vous allez valider Winding 3, vous allez voir autant de formes que possible, que voici. Et ce qui va nous intéresser, c'est ces deux formes-ci. Nous avons pointé sur satisfaisant, donc ça doit pointer vers le haut. Donc, c'est ça que nous choisissons. On clique insérer, on ferme. Donc, dès qu'on clique à côté, on voit également qu'ici, qu'il y a un P qui est apparu. Donc, c'est-à-dire que cette icône en langage Winding 3, c'est égal à P. Voilà, c'est ce que ça veut dire en fait. Nous allons également aller chercher l'autre forme pour insatisfaisant. Voilà, ce qui pointe en bas, on pointe sur insérer, fermer. Donc, également ici, insatisfaisant veut dire en langage Winding 3, Q. Voilà, ici. Donc, maintenant, nous allons aller construire notre hypothèse ici avec bien entendu, la célèbre fonction si qui nous permet en pointant un égal ici. Bon, nous allons demander, nous allons ramener, vous voyez que c'était pointé sur, nous allons ramener en langage normal. OK, égal si, voilà, je valide la fonction si, le monsieur si qui s'appelle variation, voilà, est supérieur ou égal à 0, OK, supérieur ou égal à 0, qu'il me mette quoi? Eh bien, qu'il me mette ce monsieur, voilà. Sinon, qu'il me mette ce monsieur, tout simplement. Ça, nous avons construit notre hypothèse et nous validons. Vous voyez bien que ça nous positionne Q parce que la variation est égale à moins 19%, c'est-à-dire que nous n'avons pas atteint le montant budgétisé ici. Donc, comme le Q ne nous, la lettre Q ici ne nous parle pas vraiment, nous allons aller changer pour voir l'icône que nous attendons. Bien entendu, en allant à l'onglet Accueil et en venant changer la police qui était calibrée ici en Winding 3. Voilà. Je pense que vous connaissez déjà la musique. Et bien entendu, nous avons notre forme là. Voilà. Vous voyez bien que c'est moins 19%, donc ça pointe vers le bas. Donc, ce qu'on va y ajouter, c'est y mettre également des couleurs. Si ça pointe vers le bas, que ça nous mette en rouge. Si ça pointe vers le haut, que ça nous mette en vert. C'est également une mise en forme conditionnelle que nous allons faire ici. En allant dans l'onglet Accueil, en allant dans Mise en forme, toujours sur règle de mise en surveillance des cellules, au lieu de choisir supérieur et inférieur, nous allons choisir texte qui contient. Donc, je valide texte qui contient. Je lui dis si le texte contient P. Voilà, qu'il fasse quoi? Qu'il vienne ici à l'intérieur, format personnalisé, qu'il parte sur la police et qu'il me mette un vert et un gras.
Voilà, je valide et je viens valider là. Super. Vous avez vu, rien ne s'est passé ici parce que ça pointe vers le bas et non vers le haut. Donc, nous allons également tenir compte de cette hypothèse-là. Si le texte contient plutôt Q, voilà, qu'est-ce que je lui demande de faire? Je lui demande de mettre ça en gras et également de pointer en rouge. Je valide et je valide. Super. Vous voyez bien que à chaque mouvement, nous aurons une couleur appropriée à l'hypothèse attendue. OK. Donc, nous avons comme ça fini avec cette feuille où il était question notre back-office en fait. Nous avons mis en place notre reporting, mais sous une forme un peu brouillon ici. Et nous allons nous le mettre sous forme présentable maintenant de ce côté. Donc, nous avons déjà commencé avec le titre et nous allons poser maintenant, nous allons appeler tout ce qu'on a créé de l'autre côté en termes d'information. Donc, nous allons choisir ce petit modèle de forme-ci. Voilà. Yep. OK, ça apparaît en bleu. On peut le formater en gris. Voilà. Ce gris-ci. Voilà. Donc, ça va prendre les informations au fur et à mesure. Première information, je vais lui demander avec insertion de choisir zone de texte, là où je vais écrire. OK. Je clique à l'intérieur, je tape Réa. Réa, deux points. Je grossis un peu. Je mets en gras. Voilà. OK, je vais lui demander de ne pas mettre de remplissage, aucun remplissage. Voilà. Et également à l'intérieur, pas de contour. Donc, on a Réa. Okay. Je double-clique pour également apprêter la partie budget. Ok, j'appelle budget. Super. Ok, donc j'ai les deux informations ici qui attendent. Également ici, je peux copier, coller. Voilà l'information sur. Les chiffres qu'on a de l'autre côté vont venir se loguer ici. Donc, je peux sélectionner celui-ci. J'enlève ce qu'il y a à l'intérieur et je m'en vais chercher les valeurs qu'on a calculées de l'autre côté en termes de réalisation en mettant égal et en allant chercher la réalisation qui est celle-ci et je valide. Voilà. J'essaie de faire une petite mise en forme. Je mets au milieu, je mets en gras, j'agrandis bien pour que ça soit bien visible à l'œil de la personne ou des personnes qui visualiseront. Voilà, ok, super, c'est bien costaud. Réalisation 60 307. La même chose qu'on fera ici, c'est d'aller appeler notre montant budgétisé jusqu'ici. En faisant égal, même chose en allant chercher le montant ici et on valide avec entrée. Voilà. Donc, on va faire en sorte que le montant de la réalisation ne soit pas plus costaud que le montant budgétisé ne soit pas plus costaud que le montant de la réalisation. Bon, ça dépend de vous. Hein. Bon, moi, c'est généralement c'est ce que je choisis. Je dispose ça en bas, je peux l'agrandir encore un peu. Voilà. Je le positionne bien là. Ok, je baisse un peu. Ok, je peux mettre ça un peu en arrière comme ceci. Je baisse également ici comme ça. Voilà. Ok. J'ai déjà deux informations, le montant de la réalisation, également le montant du budget. Donc, il ne remarque que ici la variation chiffrée et la variation sous forme de d'icônes qu'on aura ici. Donc, ceci étant, je peux aller ici, demander
Ouais, pour que ce soit plus clair, je vais mettre ça ici en blanc, mettre ça également ici en blanc. Je peux te demander juste avec un copier et venir coller ici en liaison. Vous voyez un peu, je viens, je colle, je choisis celle-ci, image liée. Voilà, je demande une image liée ici. Donc, je pourrais bien choisir, je pourrais bien laisser les deux au même élément voilà, pour que ça corrobore un peu avec l'élément que nous avons choisi de comme fond ici. Ah non, ça ne sera pas lié comme je veux. Voilà, ici, c'est mieux. Je m'en vais choisir la liaison ici. Voilà. Je viens le positionner là. Je peux l'agrandir un peu. OK. Super. Je fais la même chose ici, copier, et je viens le coller ici en tenant compte du format de liaison. Là, je l'augmente un peu. Je tiens ici. OK. Je peux même les superposer là. Ça dépend vraiment de vous. Voilà. Voilà, donc, vous pouvez l'arranger comme vous voulez. Hein. Donc, j'essaie de faire varier un peu les choses ici, de l'autre côté. Si je change un peu, si j'ajoute un montant ici, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, ici. Attention, c'est vraiment pour ici. D'accord. 21, ouais bien 21%. Ok, ça respecte bien. Ça respecte bien tout ce qu'on lui a demandé ici. Donc je peux l'enlever. Je peux l'enlever là. Voilà. Donc nous avons un peu atteint notre objectif de la journée. Bon. C'est vrai que le fond est un peu moins gris que l'autre, mais bon, vous pouvez l'arranger. La dernière chose à faire, c'est de pouvoir lier tous les objets qui sont ici à l'intérieur. Ça veut dire grouper pour que ça ne fasse qu'un seul. Voilà, on a un format groupé. OK, dès que j'ai ça, je peux bouger mon objet en un seul. Voilà. Super. Donc, vous pouvez créer vos pages de reporting avec ces éléments pour en avoir plusieurs dans une même feuille comme celle-ci et en ressortant, n'est-ce pas, des indicateurs clés que vous avez. Donc, voilà un peu ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Donc, comment représenter un KPI de suivi budgétaire. Donc, j'espère que vous avez suivi avec beaucoup d'attention et également que ça va vous aider dans vos différents exercices et vos tâches quotidiennes sur Excel. Et nous espérons vous revoir nombreux dans d'autres tutoriels que nous allons mettre en ligne très très bientôt. Donc, n'hésitez pas de mettre un pouce pour nous et vous abonner si possible. Donc, nous vous voyons dans une autre capsule et ciao, ciao, excellemment vôtre.